Hey, salut tout le monde, c'est ML 2 g On se retrouve pour un nouvel épisode de euh, Greg Block. Avant de commencer euh, le travail sur ma base, d'accord, euh, j'ai complètement oublié de regarder un petit peu ce qu'avait fait Alkazim dans sa base. Donc, je vais prendre Monster avec moi, qui est actuellement euh, connecté, d'accord, et on va aller dans la base d'Alkazim pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient d'aller voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc, on va passer 5 petites minutes pour voir rapidement euh, en mode spectateur, et puis on reviendra par ici. Ok, on est en 0-0. Donc ici c'est la petite structure qu'a fait Al-Kazim pour qu'on puisse se retrouver en 0-0. Je ne sais pas exactement ce qu'il a essayé de faire ici, mais il y a quelque chose. En tout cas, c'est sûr. <laughs> Donc j'ai mon TP pour aller dans ma base et j'ai le TP ici pour aller dans la base de Monsieur Al-Kazim. Donc allons-y. Je suis dans sa base et je vais tout de suite me mettre en game mode pour qu'on puisse regarder un petit peu ce qu'il a fait. Donc là, c'est évidemment sa, sa plateforme du début. D'ailleurs, il n'y a pas de bedrock. Je pense qu'il a dû ajouter la bedrock en 0-0. Euh, mais du coup, sa plateforme du début avec quelques machines à droite à gauche. D'ailleurs, il a fait des crafts là-dedans. je vois juste euh, la liste des items qu'il y a dedans. Bref. Ça ferme un mob. Tout ce qu'il y a de plus classique. Assez éloigné, ça ferme un mob d'ailleurs. Est-ce qu'il a des loots là-dedans hein Il a le Witchwater du coup pour farmer les têtes de wither. Il a de quoi faire un boss. Hein. Alors, il a fait un très gros tank pour avoir du poulpe. Parce qu'il me disait qu'il avait un petit peu ragé pour récupérer du poulpe. Donc, il s'est fait un très gros tank par ici. Euh, là, il y a beaucoup de vaches. Oh. Je sais pas si c'est du blé qui traîne. Non, ça, ça doit être pour eux. Alors, c'est quoi ça Sheep bait Ok, il essaie de récupérer du mouton. Nice. Donc, il euh, y a beaucoup de vaches. Probablement pour euh, la nourriture. D'accord. Euh, Là-bas, il y a cette rower Avec tous les items qu'il a. Oh la vache Ah, il s'est gavé sur les aluminium mesh. Hein. Oh. Moi, j'en ai fait qu'une aluminium mesh. <laughs> il en a fait beaucoup. Euh, du coup, il récupère beaucoup plus de ressources facilement. Donc voilà tout ce qu'il a. Il a vraiment pas mal de ressources. Hein. Euh, D'ailleurs, le 41. Ouais, il a les ressources aussi farmées avec le Nether. Et du coup, juste ici, c'est ses machines. Donc il y a pas mal de machines qu'il a que je n'ai pas encore. Qu'on va devoir regarder un petit peu ensemble. Euh, donc il a le large bronze boiler. Que j'ai pas encore du tout fait fonctionner. Parce que ça demande énormément de bois. Euh, les classiques euh, Blast Furnace Coke Oven. Le Blast Furnace électrique. Toutes ces machines là, donc on va pas regarder de plus près ce que c'est. Le plus ouf, alors qu'est-ce qu'il a fait là-dedans Ah, je peux pas cliquer sur la table de craft. Il était en train de faire des... un craft, je ne sais pas ce que c'est par contre. Il a un peu de liquide ici, du steam. C'est du steam ça Ouais, du steam. Rubber, hydrogène, water, oxygène. Donc hydrogène, oxygène, on a vu comment les avoir, c'est assez simple. Hein. Et du coup en dessous, c'est ça qui m'a fait craquer c'est que waouh quoi <laughs> Juste waouh <laughs> Donc il a un cobblestone, enfin un simple cobblestone générateur ici et un là qui amène justement de la cobble euh, dans les crucibles, alimenté par du feu bien sûr. Et ensuite la lave est extraite directement dans les high steam boiler lava, high steam lava boiler pardon. Ils sont alimentés par de l'eau derrière avec quatre pompes. Ok, euh, toute l'eau est redistribuée, euh, je pense, par ici. Euh, via les... Euh, ouais, c'est ça, via les Medium 11 euh, Pipe. Donc, il, euh, il ramène l'eau là-bas. Et ensuite, dans les larges Steel Pipe, d'ailleurs, chaque Steel Pipe possède 16 buckets. Wow. Ça, c'est du buffer de, de Steam. Moi qui pensais être bien avec mon buffer de Steam, là, il a du buffer de Steam, euh, l'ami. Hein. <laughs> et du coup, il ramène tout ça dans quatre Basic Steam turbine et il envoie tout le courant dans des Soldering à on Alors, fais voir Soldering... Soldering alloy. Ok. Je suppose que le couvert. Ok, le couvert. A qu'un seul euh, loss per block. Ok, 16 ampérage, 32 voltages. Oh, il est pas dégueu comme bloc. C'est pas dégueu ça. Comment tu le fais uh -huh. Uh -huh. Non, il faut que je regarde là. Alloy ah, smelter. anti Antimony, pardon, j'ai. Et tin, j'ai. Ok, et ça te donne ça. Et du coup, ça permet d'avoir des pipes comme ça. Ah. Alors, ils sont gros les pipes. Euh, par rapport à mes euh, cobalt. Euh, cobalt qui, eux, perdent deux. Ouais. Ces câbles sont mieux, mais sont plus gros. C'est le truc. Et du coup, bah, tous les câbles sont envoyés là-dedans. D'ailleurs, il le connecte Oh Il a que deux connexions par rapport à moi, où j'en ai trois. Il a que deux connexions pour euh, alimenter son électrique Black Nice, d'accord Puis après, ben voilà, il y a toutes ces machines ici. Bon, eh bien ça fait 5 minutes, donc on va se retrouver maintenant dans la base pour voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire maintenant ici. Bon, j'espère que le petit tour dans la, dans le, dans la base de il vous aura plu. Ça nous a fait passer un petit peu le temps. Mais là tout de suite maintenant, il va falloir qu'on se concentre sur d'autres machines électriques, parce qu'on a beaucoup de place pour installer des machines électriques. Et euh, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on se rappelle la dernière fois, j'avais retiré toutes mes machines euh, qui utilisaient du steam pour fonctionner à part des machines électriques puisque maintenant je euh, récupère de l'électricité assez facilement avec toutes mes batteries et euh, mon basic steam turbine. Alors je suppose que quand je vais faire tourner plusieurs machines, ça ça tiendra pas, ça sera pas assez euh, large comme euh, buffer. Je sais que dans les hardnet Fluid Opact, fait un full duct il y a du buffer, mais par contre j'ignore combien de buffer il y a là-dedans. Euh, mais je sais qu'on a déjà au moins 32, 64 buckets ici. Okay. D'ailleurs, je me demande, tiens rapidement, drum, le tir au-dessus c'est le stainless steel. Et le stainless steel pour l'avoir, comment tu fais Blast furnace, stainless steel dust, ça se fait avec de l'iron, du chrome, du manganèse et du nickel. Alors iron easy, nickel easy, manganèse est-ce que j'en ai du manganèse J'aimerais regarder rapidement. Euh, Est-ce qu'on peut tomber sur des orpies Ouais, il y a des orpices ici. Ah ouais, non, c'est pas directement du manganèse. Euh, là non plus, c'est pas directement du manganèse. En fait, il faudrait que j'ai un macérateur un petit peu plus amélioré pour avoir plusieurs outputs. Euh, mais le manganèse, apparemment... Peut-être ici que je peux l'avoir Ah euh, Pyrolusite. Pyrolusite qu'on peut avoir... Je ne sais pas. Il y a tellement... Oh, il y a tellement de steps à faire. Bon, je vais pas me traîner là-dessus de toute façon. Dans le livre de quête, on va m'expliquer comment faire. Donc on ne va pas se prendre la tête tout de suite. Ok. Retournons dans notre livre de quête. Regardons déjà si on a débloqué d'autres choses. Mis à part ça qu'on a dit qu'on est... qu ira voir plus tard. Non. Ok. Donc. Au niveau des machines... Il y avait. Euh, alors, c'était pas celle-ci. Je crois que c'était l'assembling machine. Ah, le packer Le packer m'intéresse. Parce que le packer va me permettre. Euh, enfin, le packager, pardon. Euh, m'intéresse parce qu'il va me permettre de récupérer directement des câbles sans utiliser les strings. Et le cutting machine aussi pourrait me servir. Euh, si on regarde le cutting machine. Cutting, voilà, le bois directement là-dedans. Ça, ça peut être pas mal. Alors, cutting machine, je crois qu'on avait déjà commencé à regarder ensemble. Mais qu'il y avait beaucoup trop de craft à regarder. Euh, Beaucoup de choses. Alors qu'on peut voir il utilise du lubrifiant et de l'eau. Donc au final on va couper avec de l'eau. Uh -huh. Donc là pour l'instant on n'a que des crafts de slab. Ah ok. Glowstone plate. On peut en avoir grâce à un bloc de glowstone et de l'eau. 3000 buckets, pas cher. Et glowstone plate, ça se fait soit avec de, du liquide glowstone, soit dans le cutting saw. Donc comme ceci. Et le cutting saw me demande le diamond saw blade. Je crois qu'on avait déjà regardé ça. Hein. On avait déjà regardé. Je vais le taper basic cutting, ok. Et l'autre item qu'on vient de voir, mais que je me souviens plus, c'était euh, le packager, ok. Donc, clac basic packager, ok. Il y en a deux. Ah, c'est l'un packager et le packager. Donc le packager se fait avec un conveyor module qu'on a déjà vu, le robot arm qu'on a déjà vu, et lui me permet normalement de faire mes câbles. Hein. Ouais, regardez. On a notre cobalt wire avec des carpettes, Donc euh, plus besoin de string pour, euh, pour faire nos câbles. Donc ça c'est plutôt pas mal. On aura toujours besoin de Black Carpet par contre. Et je me demande s'il y a un moyen de récupérer les Black Carpet facilement. Non, il n'y a que l'unpacker. Ok. Le Black Carpet c'est forcément avec du Black Wool. Et le Black Wool c'est forcément avec du Wool. Euh, wool on peut l'avoir. Euh... On peut pas si. 4 strings ça fait un white wool je sais pas pourquoi je me montre cette machine on peut le faire avec la machine mais c'est pas pas grand intérêt de le faire et avec du chlorine on peut nettoyer une laine pour retrouver de la laine blanche hum. et du coup le string il y a un moyen facile de l'avoir wire mill polycaprolactam ok à tes souhaits il y a un moyen de l'avoir facilement ce truc là je regarde, hein, mais euh, pour le coup, je vous avouerai que. Fais voir. Directement le dust. Non, je vois pas comment produire celui-ci. Il y a énormément de, de craft à regarder pour comprendre un peu comment ça fonctionne, tout ça. C'est vrai que c'est compliqué. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je vois pas comment l'avoir autrement, euh, celui-ci. Enfin, bref. Ça ne nous intéresse pas. On verra plus tard si on a des quêtes. Mais voilà, on va se faire le, basic page, le packager pour avoir nos câbles sans utiliser string. Et le basic cutting machine, d'accord Donc je vais fermer le nécessaire, puis on se retrouve. Ok, j'ai fermé suffisamment d'items pour qu'on puisse commencer à fabriquer nos machines. Euh, donc j'ai du steel hull pour qu'on puisse se faire euh, nos fameux... Euh... Où est-ce qu'ils sont Je me suis trompé. C'est Elvi qu'il fallait qu'on se fasse. Le sac. Je suis un sac. Vous le saviez Que j'étais un sac Même vous le saviez que j'étais un sac. Hmm. Bon, je les garderai pour faire d'autres... Euh... Steam lava boiler, je vais pas les jeter, ça pourra toujours servir. Par contre, euh, bon, j'ai utilisé un petit peu beaucoup de, de style pour pas grand chose. J'ai rebalancé une production de style, donc je vais en avoir d'autres, c'est pas un problème. Mais là, pour le coup, je vous avouerai que, ouch. J'ai pas fait attention sur le moment <laughs> Quel dommage euh, Je me suis fait des outils en diamant pour que ça dure un petit peu plus longtemps D'accord j'ai déjà commencé à entamer mon file en diamant Parce que j'ai plus de file euh, Et vu que c'est là où que se passent les items Pour qu'on puisse crafter euh, Nos outils plus facilement Je me suis dit allez on va en faire en diamant comme ça on se prend plus la tête Donc j'ai un diamond hammer Mais il faut d'abord que je termine tous les diamond Enfin tous les iron hammer en hein, fin de compte que j'ai Donc en fin de compte il me faut La wrench c'est ça ah oui, c'est la French qu'il me faut, pas ça du coup, je le dis et je le prends pas. <laughs> ok, let's go, je vais m'en faire trois. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Ok, donc on récupère ça, on revient ici, clac, 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 on fait nos trois LV-houl, donc ça c'est très bien. Alors, on va commencer par le packer, d'accord, pour qu'on puisse euh, faire nos tin cable sans utiliser de string. Donc le packer va me demander du basic circuit, des chests que j'ai rangé Hop. Euh, et il va nous... Alors, un packer, c'est le packer que je veux. Avec un conveyor module, un robot arm et tout ça. Normalement... Oh, le robot arm, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il me manque Le steel rod J'ai pas fait mes steel rods bah, si j'ai fait des steel rods. Attends, qu'est-ce qu'il me manque Ah j'ai fait... Ah oui, ok. Hmm. Très bien. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc je reprends le file. Hop. On va prendre la moitié. Ok, très bien. Alors on peut en manger du style c'est pas un problème parce que j'en produis vraiment beaucoup du style c'est plus un souci Donc là maintenant Robot arm on va en faire deux pour le moment ça devrait être suffisant parce qu'il faut pas que je mange tout le monde non plus mes basic circuit et le basic packer nice Ok Basic Packer qu'on va poser ici euh, ou peut-être pas ici Ah oh, quoique attends j'ai accès ici pour vider euh. bah, Normalement ici je peux retirer euh, les fluides. Yes, c'est ça. Ok, super. Je pourrais euh, retirer le fluide et le stocker ici quand je vais euh, produire du fluide. Donc pour l'instant, euh, c'est bon de savoir que c'est là. Ok. Donc le Basic Packer va me permettre. Euh, D'ailleurs, faut que je regarde. Est-ce que c'est vraiment ça le Basic Packer Ouais, le Packer. Ok. Donc tin wire plus carpet, ça me fait mon tin cable. Très bien. Est-ce que j'ai du tin sur moi pour regarder non, j'ai pas de tin sur moi, mais bon, c'est pas très grave. Euh, D'ailleurs, on m'a fait la remarque dans les commentaires que je disais mal euh, zinc. Parce que je dis zinc depuis un petit moment. Voilà, le zinc il est là. Euh, ça se dit zinc en français. Moi je dis zinc, je la prononce à l'anglaise. Il euh, y a beaucoup de mots que je prononce à l'anglaise. Un petit peu comme euh, ampérage et voltage, n'est-ce pas Voilà. Euh, juste ici, je suis en train de cuire des iron nuggets pour récupérer du rough iron nuggets. Pour récupérer du rough iron. Pour avoir d'autres Rough Iron Plate. Pour avoir d'autres LV Machine Hull. n'est-ce pas euh, Je me suis fait du sulfure. Le sulfure, je ne sais plus pourquoi je voulais le récupérer. Je crois que c'était pour la centrifuge. Euh... Ah, je ne sais pas. Ah, le Chemical Reactor. C'était pour avoir. Je crois que c'est du rubber, c'est ça, le rubber. Avec du Raw Rubber Pulp. Ou alors... Raw Rubber Pulp, je crois que c'est du... Comment on fait ça Ah oui, il faut extraire le slime. J'en ai ici. Ok. Bon, je vais le mettre ici le sulfure, mais voilà, j'ai besoin d'un petit peu plus de rubber parce que pour me faire mes conveyors modules, il me faut plus de rubber sheet et le rubber sheet se fait comme on l'a déjà vu avec 144 000 paquets de rubber, donc c'est à dire un ingot de rubber. Ok. Euh, donc maintenant qu'on a cette machine. Basic Packer, on va se faire le cutting machine. Et je me suis dit qu'on allait le faire entièrement ensemble parce que si on regarde un petit peu tout ce que j'ai, je me mets ici. Euh, la seule chose qui nous manque, bon, le verre c'est pas un problème, mais le Diamond Saw Blade. Et le Diamond Saw Blade pour sa création, il va me demander du Cobalt Brass Gear et euh, des piles of euh, Diamond Dust. Ou alors, dans l'assembleur qu'on a fait il y a un petit moment déjà, un Diamond Dust plus un Cobalt Brass Gear. Alors déjà, le Diamond Dust va se faire facilement. Je vais prendre un diamant et le mettre dans le macérator qui va se trouver par ici. Il est là le macérator. Clac. Ou la vitesse. Voilà, diamond dust. Donc ça c'est plus un problème. Maintenant, il va me falloir le fameux cobalt euh, brass. Donc si je regarde bien, on peut se faire un moule directement. Ça peut être intéressant de faire un moule tout de suite. Empty Shape Plate avec un hammer à côté. Ok, let's go. On va se faire ça. Euh, parce que ça va m'éviter d'utiliser euh, trop de choses. Donc, hammer, file, euh, style, je les ai. Clac. Je crois que c'est comme ça. Comme ça. Yes. Et ensuite, on met le hammer ici et on a le mold gear. Ok, impeccable. Ça, ça fait plaisir. Parce que du coup, de ce qu'on a pu voir, euh, en fait, c'est soit on utilise des plaques, des rods avec un screwdriver au milieu, ou alors directement le moule. Euh, qui sera beaucoup plus avenant dans la smelter qu'on a fait en électrique. Donc le cobalt brass ingot pour l'avoir il va falloir qu'on ait le cobalt brass dust et pour avoir le cobalt brass dust, c'est là qui va me demander euh, du brass, de l'aluminium et du cobalt. Alors le brass pour l'avoir, ça va être du zinc avec euh, du copper. Donc on va récupérer tout le zinc qu'on a, donc le zinc que j'aime bien dire euh, c'est pas du tout celui-là, c'est celui-là. Donc j'en ai que 3. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse s'en sortir. D'ailleurs je ne me souviens plus mais ça se récupère euh, avec le nether ça non euh, Je crois que c'est pour ça que j'avais récupéré... Euh... Oh je peux pas cliquer dessus. Ouais c'est ça. Euh... Retour en arrière. C'est le euh, sphalerite. Je dois en avoir du sphalerite. Là dedans. Quartz, sphalerite. Ok j'en ai 5. Donc ça va peut-être être pas mal. Je vais te mettre ça à la place. Je vais te mettre ça ici. Et là, bon là il récupère ce nuggets là. Et ensuite on va récupérer d'autres zinc. Donc le zinc, macerrateur. Il me faut mon copper. Ici. Zinc. Clac. Ok je pense que ça ça devrait être suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est que 12 qui va nous suffire. Ok on va pouvoir avoir notre brasse. Donc avec 3 comme ceci plus un zinc on a 4 brass dust. On va attendre que ça se termine gentiment ça. C'est bientôt terminé. Ok, nice. Brass à j'en aurais probablement besoin d'un petit peu plus plus tard. Donc le brass. On revient sur notre craft. Euh, clac clac clac. Voilà. Donc brass plus cobalt dust et aluminium dust. Donc aluminium dust on a. Juste en demander. J'en demande un ou plusieurs. J'ai pas regardé combien ça donnait. J'aurais dû regarder. Clac, clac, clac. Ça m'en donne 9. Et il m'en faut que 8 pour avoir un gear. C'est bon C'est suffisant Ok. Donc maintenant, cobalt. Cobalt, on en a un là. Qu'on va balancer dans le macérateur. Impeccable. Revenons là-dedans. Clic, clic, clic. Clic, 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 clic. Cobalt Brass Dust, on va cuire ceci, ouais tu récupères ça maintenant, hop, d'ailleurs celui-là je vais pouvoir le récupérer, le zinc, on va pouvoir le ranger, bim, euh, je sais pas pourquoi il m'a redonné le Robot Arm, c'est pas grave, euh, le Brass Dust on va le ranger avec, euh... on va le ranger ici en attendant, je le retrouverai, ça va être compliqué mais je le retrouverai, et là il faut que j'attende juste que j'ai les 8. Et normalement ça fait partie d'une quête. Hein. On devait récupérer ça pour une quête. Euh, si je regarde de toute façon là on est en mode euh, cutting machine, c'est ça. Diamond Dust il me l'a pas compté. Oh. Je l'ai le Diamond Dust. Pourquoi tu le comptes pas Detect. Hop. Hop. Ok, il l'a compté. Donc cobalt brass, il m'en manque plus qu'un. Allez, 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 allez. Allez Nice. Ok. Allez smelter. Boum. Boom. Ouh, ça prend un peu de temps pour faire. Hein. En termes de EU on tient toujours. Ça doit se vider ici. Non, ça se vide pas. Bon, on tient le coup en termes d'électricité. Ouais que lui, il perd mais il revient. Là c'est pareil, ça bouge pas. Ouais, on a... Oh Ah, il y a du Steam qui part quand même. Il hein. y a du Steam qui part. Ok. Donc c'est normal que je perde pas l'électricité parce que c'est en train de pomper mon Steam. Euh, qui est pompé de là-dedans, qui est pompé de là-dedans. Hein. Ok. Ah oui, mais il a foutu là-dedans en fait. <laughs> Hop là. Cobalt brass gear. Tu me fais un ding ding ou pas? Nope. Ah oui, il me demande directement le Diamond Saw Blade. Ok. Et du coup, le Diamond Saw Blade dans l'assembleur, je crois, c'est clac clac. Ouf, ça prend un peu de temps aussi, hein. Ah, ça prend beaucoup de temps en vrai. <laughs> Est-ce que en faisant des petits, ça aurait été pas mieux? Ah, j'aurais pu le faire manuellement ce craft là en vrai. Hein. Bon, j'ai utilisé l'assembleur pour le faire. Ça va prendre 80 secondes pour le faire. Mon dieu, c'est long. Mais en gros, j'aurais pu prendre le diamond dust pour le transformer directement en small pile of diamond et l'entourer directement du cobalt gear plutôt que de le faire dans l'assembleur. C'était pas très malin de ma part. Mais enfin, on utilise nos machines, c'est déjà ça. Du coup, euh, l'unpacker, d'ailleurs, l'unpacker, il va pouvoir... Ah, Il peut me récupérer le rubber... Il peut me récupérer les black carpets sur les câbles que j'ai pas besoin. Est-ce qu'il y a des câbles dont j'ai pas besoin qui sont couverts euh, Je crois que les raids d'alloy, j'en ai besoin pour euh, d'autres choses. Le cobalt, forcément, j'en aurais besoin. Euh... Hmm, pas sûr, hein, pas sûr. Ma foi. Ma foi, c'est bientôt terminé. Une fois qu'on aura terminé le basic cutting machine, au niveau du temps de l'épisode, je pense qu'on se sera déjà bien avancé. Et je pense qu'on pourra... Euh, on se fera l'unpacker. On va se faire l'unpacker. Tiens, on se fait l'unpacker rapidement. Euh, l'unpacker, rapidement, est-ce qu'on peut le faire Easy. Easy. On va le mettre là. Hop. Super. Et toi Voilà, Diamond Survey. Oh, mais j'y pense. <laughs> on a utilisé nos basiques circuits. Eh. Il m'en reste là-dedans Non. Basiques circuits... Dis-moi si je peux t'en faire. Il va... Non, je crois que je peux en faire. Hein, du basique circuit en vrai. Euh... Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour faire un basique circuit Allez, s'il te plaît. Voilà. Euh, style. Tac-tac, ça on a. Raid à Bah non, c'est bon. Hop. Je peux m'en faire des basic circuits, c'est pas un problème. Voilà. Easy. Il me manque juste mon bout de verre. Boom. Un seul, s'il te plaît. Clac, 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 clac. Basic cutting machine. Nice. Donc le basic cutting machine, on va l'installer ici avec les autres machines, d'accord Et le basic cutting machine me demande pas de mettre une scie en particulier, non, il me demande juste de l'eau. Et du coup l'item euh, à couper pour avoir le résultat. Donc je sais pas si je peux... Ouais, si je pourrais lui pomper de l'eau au-dessus au par, par un drum, ou une connerie comme ça. Et du coup balancer d'autres machines ici. Parce qu'ici, on avait vu, c'était soit du lubrifiant, on ne sait pas encore comment avoir. Euh, D'ailleurs, les, les logs pour avoir ça, c'est lubrifiant, obligatoirement. Je regarde juste vite fait comment on peut avoir du lubrifiant. Euh, de l'huile, on a vu comment l'avoir. Le talc, le talc. Comment on fait pour avoir du talc Talc, c'est probablement quelque chose qu'on peut récupérer dans les cives. Yep, c'est quelque chose que j'ai depuis un moment, du coup. C'est le fin talc or chunk. Je dois l'avoir quelque part ici. Euh, il est en vert, bah il est là-haut. Donc j'en ai du talc. Ok. Et donc en gros, pour avoir du lubrifiant, ce serait dans un mixeur de l'huile, du talc pour avoir 750 000 buckets de lubrifiant. Pour 750 000 buckets d'huile. L'huile, on a déjà vu comment la voir. Hein. Euh... D'ailleurs, il me le montre pas ici comment la voir. Si, voilà. Dans la centrifuge. Ah, je peux directement mettre de la sous là-dedans. Ah. Oh. Et récupérer du sable avec 90% de chance. Solpeter, Hmm. Hmm. Peut-être bien. Ce serait peut-être bien de faire le, la centrifuge là. Parce que la soulsen, on a déjà vu. Hein. La soulsen, c'est du sable avec du Witch Water pour avoir de la soulsen. Du sable, on en récupère easy peasy. Witch Water, on peut en récupérer easy peasy. Et du coup. Euh, du coup, il va falloir que je réfléchisse pour une automatisation là-haut. Pour avoir euh, peut-être un drum euh, qui, me, qui me serait rempli de Soulsend. Ça pourrait être une idée. Sauf que le sable pour l'instant il est là. Et le sable, je l'extrais, si vous voulez, pour avoir euh, de la dust. Et la dust pour avoir de la clé. Donc ici c'est fou à chaque fois. Hein. Euh, mais pour avoir un drum de euh, Soul Sand, je serai obligé de réinstaller quelque chose ici. D'ailleurs, en termes de euh, netherrack, j'en ai 783, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et euh, je continue gentiment à, à produire de la lave. Hein. Ok. Et je continue gentiment à vider mon drum de redstone pour avoir masse. Les oracles. Donc ouais, il faut que je réfléchisse. Je vais réfléchir à comment installer un petit système d'automatisation pour avoir de la soule scène automatiquement, pour que cette soule scène, on puisse la transformer plus tard en oil. Mais nous, on va se laisser là pour cet épisode. On a fait suffisamment de machines, je trouve, pour celui-ci. Euh, pas mal de quêtes encore accomplies dans le V Age. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous portez bien, pardon, les amis, et à bientôt. Bye.